La mode, même si le vêtement n'a pas la part très belle en ce moment dans le budget des ménages, plutôt orienté d'ailleurs vers l'automobile et l'électroménager. Ce soir, l'image est aux hommes. Si vous avez ramené une tenue folklorique de vos dernières vacances, gardez-la précieusement, elle pourrait peut-être bien vous resservir l'été prochain. En tout cas, Fabrice Soliver vous voit très bien aller au travail avec une djellaba maghrébine ou avec un costume d'Evzone grec. Évidemment, il faut oser. Enfin, dans le genre immétable, voici la collection Roelli Testu. Surveillez vos sous-vêtements, car ici on joue sur les transparences. Et pour les chemises, assurez-vous de la plastique de vos pectoraux. Quant aux tenues du soir, si vous arrivez à rentrer au casino de Deauville avec ces smokings, c'est que vous avez glissé un gros billet au portier. Alors c'est un écossais bordeaux, avec un pullover mandarine, l'homme se portera coloré. Et avec un pantalon fuselé et un canotier. Yop la boum. La quadra. Un jean 100% coton, extrêmement large, avec un pullover motif tapisserie en coton et soie. Vous voyez, ça c'est le décontracté, mais élégant. Alors Hachter, il est kaki, avec une chemise doublée, avec des imprimés jungle, l'Afrique sur le cœur, des animaux de la jungle sur la cravate, et une chemise mandarine. Également une veste sans col de Lucien Foncel. Là, c'est encore un peu chinois, une des impressions également chinoises. Et un grand breton noir, ça fera un breton chinois. C'est comme ça. Yop la boum. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent dans la rue, la mode est déjà là.